L'allégorie est un procédé littéraire qui consiste à donner à une idée abstraite une expression concrète. Figure de rhétorique dans l'Antiquité, l'allégorie possède au Moyen-Âge une valeur surtout herméneutique. Elle devient l'un des instruments privilégiés de l'exégèse des textes religieux. On recherche dans les Écritures un sens second. Chaque passage posséderait plusieurs sens, à plusieurs niveaux. Le monde tout entier est construit selon un principe de correspondance. L'homme est créé à l'image de Dieu, l'univers à l'image de l'homme. Cette correspondance entre microcosme et macrocosme était déjà présente dans de nombreuses philosophies antiques, notamment chez Platon. Si l'allégorie est un outil de déchiffrement du monde, elle devient aussi, au Moyen-Âge, un mode de production littéraire et poétique. Le roman de la Rose marque la littérature allégorique en transposant dans l'univers profane, amoureux et courtois le modèle de l'allégorie chrétienne. Son succès énorme débouche sur ce que l'on considère aujourd'hui comme la première querelle littéraire, la querelle du roman de la Rose. La littérature allégorique est d'abord représentée par de la poésie latine. Celle-ci propose des réflexions sur la place de l'homme dans l'univers. À partir de la fin du XIIe siècle, nous voyons apparaître les premières formes littéraires allégoriques en langue française. Elles reprennent les thèmes et ambitions de la littérature allégorique latine. Toute cette poésie allégorique reste une poésie chrétienne. Suivant l'évolution de l'ensemble de la littérature médiévale, celle-ci va progressivement se détacher de son origine religieuse. Le roman allégorique courtois et profane, qu'est le roman de la Rose, consacre cette transposition. Le roman de la Rose est un roman allégorique écrit à deux mains. Il comporte 22 000 octosyllabes. Les 4 000 premiers ont été composés par Guillaume de Loris vers 1230. Il a été achevé par Jean de Main vers 1270. Ce roman raconte, sous la forme d'un songe allégorique, la conquête par le narrateur de la Rose, qui représente la jeune fille aimée. Dans ce rêve, le narrateur se lève un matin de mai pénètre dans le verger merveilleux de déduit, plaisir, sur lequel règne amour. Les personnages du roman sont des allégories. S'approchant d'un rosier, le narrateur est attiré par un bouton. C'est alors qu'amour lui décoche une flèche. Il est désormais prisonnier d'amour qu'il promet de servir. Malgré les assauts de raison, il entreprend de faire la conquête de la rose. Il cède pour cela de bel accueil, et s'opposera à danger, jalousie, malbouche, etc. Après avoir obtenu un baiser, il est séparé de sa dame, enfermé dans le château de jalousie. Là-dessus s'achève la partie de Guillaume de Loris. La continuation de Jean de Main comporte de nombreuses digressions polémiques, philosophiques, scientifiques. Le château de jalousie est finalement pris par amour et son armée. L'amant se réveille, après avoir possédé la rose. Les deux parties sont très différentes en termes de traitement du sujet et de perspective. La première partie, celle de Guillaume de Loris, se présente comme un véritable art d'aimer. On y lit dans le prologue « C'est le roman de la rose où l'art d'amour est tout enclose ». Il s'agit pour Guillaume de Loris de transposer l'allégorie chrétienne dans un univers courtois. Amour expose les devoirs des amants courtois. On y retrouve le service fidèle que l'amant promet à Amour dont il est sert, les étapes de la conquête amoureuse, les caractéristiques du fin amant, comme la discrétion, l'élégance, la finesse, etc. La structure y est très réfléchie et la tendance didactique assumée dès le prologue. Il s'agit bien d'un art d'aimer. La continuation qu'en fait Jean de Main peut frapper par son éclectisme et sa tendance encyclopédique. Elle témoigne d'une ambition totalisante, s'efforce de toucher des domaines très variés du savoir. Les discours philosophiques ou scientifiques des personnages, les développements polémiques, les passages parfois ironiques et subvertifs sont des exemples des sujets et des tons extrêmement divers qui y sont présents. Si cette deuxième partie se présente elle aussi comme un art d'aimer, Jean de Main parle d'un miroir des amoureux, les positions concernant l'amour sont très éloignées de l'idéal de la fine amour.
Amour, qui était tout puissant chez Guillaume de Lorris, est ici soumis à nature et raison. La fidélité en amour est un leurre. Il faut obéir en tout à nature, et satisfaire l'instinct sexuel qui est en nous, qui est seul gage de fécondité. La continuation du roman de la rose, Que fais-je en demain, peut donc ressembler en ce sens à une critique ironique du roman de la rose de Guillaume de Lorris. Le roman de la rose connaît un immense succès. Nous avons conservé plus de 250 manuscrits de cette œuvre, quand la majorité des œuvres médiévales en langue vulgaire sont conservées dans moins de 10 manuscrits, un ou deux, dans un grand nombre de cas. Le roman de la rose connaîtra également un grand succès en version imprimée, dès les années 1480. Le grand rhétoriqueur Jean Molinet en donnera une version en prose, accompagnée d'un commentaire exégétique, le roman de la rose moralisé. L'esprit polémique de Jean Demain, ses positions antiféministes, susciteront au tournant du XIVe et du XVe siècle l'une des premières querelles littéraires, la querelle du roman de la rose. Dans cette querelle interviendront d'un côté Jean Gerson et Christine de Pizan pour attaquer la continuation de Jean Demain. De l'autre, Jean de Montreuil, Pierre et Gontier Colle prendront la défense de Jean Demain. Jean Gerson reproche à Jean Demain d'inciter à la luxure. Les défenseurs de cette continuation lui répondront que Jean Demain ne prend pas explicitement position en faveur de ses personnages. Christine de Pizan va elle aussi s'engager contre cette continuation du roman de la rose. Après avoir commencé sa carrière littéraire par de la poésie lyrique, genre qui est conforme à ce que l'on peut attendre d'une femme au Moyen-Âge, elle s'illustre par l'épître en vers puis en prose et le genre polémique. Jean de Montreuil, Pierre et Gontier Colle, qui sont la cible de ses attaques, renvoient Christine à son statut de femmelette. Elle n'a pas la légitimité suffisante pour s'en prendre à une autorité comme Jean Demain. Christine doit alors défendre sa parole de femme et se construire une légitimité. Légitimité qui va de soi pour ses adversaires masculins. C'est moins son argumentation qui est remise en question que son statut. Dans les premiers vers de son épître au dieu d'amour, elle écrit « Et s'aucun dit qu'on doit les livres croire, et si quelqu'un dit qu'on doit croire les livres, qui furent faits d'hommes de grande mémoire, qui furent faits d'hommes de grande mémoire, et de grand sens et de grande sagesse, qui mentirent ne daignèrent, qui ne daignèrent mentir, qui des femmes les malices prouvèrent, qui prouvèrent les malices des femmes, je leur réponds que ceux qui se écrirent, je leur réponds que ceux qui écrivirent cela en leurs livres, je trouve qu'ils ne quistrent, je trouve qu'ils ne cherchent en leur vie, force femme décevoir, qui a trompé les femmes. Mais ces femmes eussent les livres faits, mais si les femmes avaient composé des livres, je sais de vrai qu'autrement fut du fait, car bien savent qu'à tort sont inculpées, car elles savent bien qu'elles sont accusées à tort, si ne sont pas à droit les parts coupées. Aussi, les rôles ne sont pas répartis à égalité, car les plus forts prennent la plus grande part, et le meilleur pour soi qui pièce part, et celui qui répartit les rôles, conserve le meilleur pour lui-même. Ses adversaires masculins refusent d'admettre que Christine ait pu elle-même oser prendre la plume pour s'attaquer à de tels sujets. Un homme a dû l'y aider. Comme le dit Jacqueline Cerchilini-Toulet, pour un clerc, une femme ne peut écrire, dans le domaine intellectuel, que par procuration ou sous contrôle. Elle ne peut être qu'un prête-nom. Christine rappelle d'ailleurs dans l'Advision les rumeurs qui ont couru sur ses livres. Elle écrit, je cite toujours Jacqueline Cerchilini-Toulet qui cite Christine ici, « Car certains disent que les clercs ou des religieux te les forgent et qu'ils ne pourraient sortir de l'esprit d'une femme. » Christine reproche au roman de la Rose ses idées antiféministes et misogynes. On lit, par exemple, dans le roman de la Rose, toutes vous êtes, vous serez ou vous avez été, en fait ou en intention, putain. Elle reproche également à Jean Demain son expression parfois grossière,
son usage de l'allégorie pour évoquer des sujets bas. L'allégorie, en particulier à travers l'imitation du roman de la Rose, va devenir un mode d'expression poétique. Le songe allégorique deviendra un mode d'expression topique de la littérature amoureuse. Les personnages allégoriques de Guillaume de Lorris vont réapparaître dans une grande partie de la production littéraire du XIVe siècle.